Retrouvez les bonnes adresses de Guilherme avec le Petit Futé. Bonjour et bienvenue dans les bonnes adresses. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur du 20e arrondissement. On est au 101 rue des Couronnes, dans le restaurant d'un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Jay, qui a fondé ce restaurant il y a à peu près 4 mois. Et le restaurant s'appelle Le Jourdain. Il va nous expliquer tout ça, suivez-moi. Salut mon JB. Salut mon Guilo. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Eh ben, merci de nous accueillir chez toi, au beau milieu. Alors, tout d'abord, je tiens à le féliciter parce qu'il m'a fait découvrir la ligne 11 du métro que je ne connaissais pas. Voilà. On est juste à côté du métro Jourdain et donc ton restaurant s'appelle Le Jourdain. C'est ouvert il y a 4 mois, si je ne dis pas de bêtises. 4 mois dans 2 jours. Et explique-nous un peu le concept alors. Eh bien, écoute, l'idée c'était de faire un resto dans lequel on aurait nous-mêmes du plaisir à aller. Ouais. Donc, jusque-là, on est d'accord. Voilà, donc l'idée c'était de créer une ambiance assez chaleureuse, d'avoir une offre assez accessible pour pouvoir à la fois accueillir les copains, la famille, les gens du quartier. Donc voilà, donc on a fait une offre au déjeuner bistrot, donc avec deux entrées, deux plats et deux desserts qui changent tous les jours. D'accord. Avec 13,90€ pour un menu entrée plat ou plat dessert. Ouais. Pour venir de temps en temps ici, c'est quand même une super adresse. Yann en plus qui est en cuisine, fait très pointilleux sur les cuissons. La justesse des produits, c'est vraiment top. Et puis du coup, le soir, et ça change un petit peu par contre. Le soir, ça change un peu. Du coup, le soir, c'est plus des petites assiettes donc qui sont axées sur les produits de la mer. Comme on a un chef, Yann-Éric, comme son nom l'indique, qui est breton. Oui, on ne peut pas se bourrer. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était voilà, d'avoir aussi une sélection de vins sympa et accessible pour permettre à tout le monde de se faire un peu plaisir. Donc, on a un gros cœur de cible de nos vins, c'est entre 20 et 30 euros. D'accord. Pour permettre aux gens de ou goûter pas mal de choses ou voilà, de reprendre une ou deux bouteilles. Et puis pour lever le coude un exactement, peu, c'est ça qui est amusant. Exactement. Quoi. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la convivialité de l'endroit. C'est pas seulement un bistrot, il y a quand même un aspect très contemporain dans le design. Je crois que tu as fait appel à quelqu'un de proche. D'ailleurs. Exactement, voilà, donc c'est Lou, ma copine, qu'on saluera ici. Salut Lou. Qui travaille avec son frère jumeau et son papa qui est designer, donc qui d'accord. ont refait tout le resto. Ouais. Et voilà, l'idée c'était un peu de faire travailler aussi les gens qui me sont proches. D'accord. Du coup, ça va me permettre de glisser un petit, ah oui, un petit coup de branding bière. Sur la Helen Beer, donc la bière du groupe de mon grand frère. Donc que vous pourrez trouver ici. Son grand frère est Mathieu Jay, qui fait partie du groupe Naive New Bitters, qu'on salue bien évidemment. Voilà. Et qui ont sorti une bière il n'y a pas très longtemps, qui est délicieuse d'ailleurs. Mais voilà, exactement. Je vais te faire goûter aujourd'hui une nouvelle assiette que Yann a sortie cette semaine, donc des petites sardines. Salut Yann. Salut Yann. Comment vas-tu? Ça va. Bien, bien. Alors présente-nous, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une sardine marinée croquante. D'accord. Croquante parce qu'en fait, on met un petit mélange de graines par-dessus, enfin une sorte de petite panure. Ok. Avec des petites graines de sésame, de sarrasin, de coriandre, de fleurs de rose, enfin, des petites choses sympas. Super. C'est, voilà. C'est ça qui est bien ici, c'est que ça semble simple, c'est très efficace. Personnellement, je n'ai jamais vu des sardines marinées comme ça et je raffole des sardines. Donc, et généralement aussi, c'est pas très cher, donc vous pouvez en profiter et venir avec des amis pour lever le coude. Et du coup, qu'est-ce que tu mettrais avec ça Eh bien écoute, je vais te faire goûter un pouilly fumé. Ah, hop, ça c'est un domaine raid dont saluera aussi Sébastien. Bien sûr. Hein, qui vient régulièrement lever le coude ici. Donc le petit fumé, 100% Sauvignon. En bouche, c'est très minéral, très épuré, très équilibré. C'est parfait pour les petites fins. Merci les gars de nous accueillir ici. Merci chez d'être vous. Venu, Guilo. N'hésitez pas à venir au Jourdain. Il fait bon vivre, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à venir avec des amis, bien évidemment. Vous serez très bien accueillis. À votre santé, les gars. Santé. Ouais. Le Petit Futé vous a présenté les bonnes adresses de Guilherme.